Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante, donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Lors d'un interview de Sarkozy sur une chaîne TV, la journaliste s'est permise quelques écarts de langage, ce qui n'a pas du tout plu à l'ancien président. Un ancien président de la République qui a un téléphone caché avec un faux nom. Alors les plus gentils vont dire c'est une affaire de cour de récréation, puis les plus méchants vont dire c'est une affaire de voyou, c'est un des méthodes de voyou. C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante, donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Pardon de le dire, parce que moi je pourrais dire aussi qu'inviter M. Takedine chez BFM comme vous l'avez fait, c'est une affaire de voyou. Donc mesurez votre vocabulaire et les choses iront beaucoup mieux. Alors, excusez-moi, on vient me poser des questions, pardon, pas vous, ridicules. Alors, et on vient me mettre en examen juste pour association de malfaiteurs. Mais j'ai honte.